Regardez la fille de My Boy Charlie, et dont la mère a un drôle de nom qui s'appelle Rimarien. Ça ne l'a pas empêché d'être deuxième du prix de la Vallée d'Auge. Et elle a donné un vainqueur, Sophia, gagnant des Bally Hogan Stakes, groupe 3. Belles épreuves de groupe 1 de l'automne, sa sœur. Voulez-vous 50, 50 000 pour débuter les enchères. 50 000, la fille de My Boy Charlie, voulez-vous 50 Compte déjà 6 victoires et qui a gagné cette année, Sophia. Il n'est pas impossible d'imaginer qu'elle pourrait décrocher un groupe 1 à l'automne. La sœur de Sophia, 20 000. Mettez vos enchères, c'est très belle, en tout cas. 20 000. À droite, l'enchère, 20 000. À 20 000 euros, qui couvre l'enchère de 20 000 euros, 20, 25, 25 000. À 25 000 euros, la sœur d'une excellente pouliche de course ici. À 25 000 euros, mettez vos enchères, s'il vous plaît. À 25. À 25 000 euros, que fait-on? 25 000, enchères à droite. À 25 000 euros, 30 000, 30, 35 000. 35 ça y est, c'est parti. 25, 30, 35 000. À 35 000 euros pour aller à 40, si vous voulez. 40 000, fait 40 000. Et si c'était à la fin, euros, l'enchère est à 40 price. Toujours. Geoffroy chez vous. Pour l'instant, le top price, ça reste celui d'hier, hein, 105 000 euros. La sœur d'une excellente jument de course. Donc c'est toujours la Nièvre et l'Allier, les gens de l'Ostac, qui tiennent le bon bout avec le top price de la vente à 105 000 euros. Michel Larobe, Philippe Thiriet. 50 maintenant, à 50 000 euros, toujours à droite par là, 55, par vous et contre vous, l'enchère à 55, 60, à 60 000, vous voulez hop, 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 là. Ah ben il y a Jean-Claude Rouget là. Ah, quand Jean-Claude Rouget est là, je peux vous dire que là, c'est plus la même vente. 110 000 à 110 000. 110 000. Bon, bah ça y est, déjà le top price. Bon, j'ai pas eu le temps de faire, à peine eu le temps de finir ma phrase, il est dépassé. Au tableau, on a eu du mal à enchaîner. 110 000. Jean-Claude Rouget a raccroché son téléphone. Est-ce qu'il en décroche? Est-ce que c'est lui qui va encore continuer à mettre des enchères? C'est quand même assez probable, mais bon, ce n'est pas certain. Parce que là, ça va très très vite. 150. Nous avons, j'ai l'impression, Nicolas de Vatrigon. Là, on a dépassé le top price historique. On a à peine eu le temps d'en parler. On a dépassé le top price historique, mesdames, messieurs, le top price historique des ventes de Osarus. Il était à 130 000 et là on a atteint 150 000. Donc, l'une des meilleures juments de la My Boy Charlie. T'amener à courir les plus grandes épreuves de l'automne. La sœur de Sophia dont on parle beaucoup pour les grands, pour les groupes 1 de l'automne. Par vous et contre vous. La demi-sœur de Sophia. Que fait-on? Voulez-vous 160? 150 000. À 150 000 euros, l'enchère est toujours là. Oui. 160 000. À 160, nous sommes maintenant 160 000. Pas là, rien à gauche. À 155 155 000, dit Jean-Claude Rouget. À 155 000 euros. Il a dit 155 000. 155 000. Pouliche exceptionnelle ici. À 155 000. Sa sœur Sophia, amenée à courir les plus grandes courses de l'automne. À 155 000, nous sommes à droite l'enchère. 155 000 euros. De l'autre côté, Nicolas à 155 000 euros, c'est toujours par vous, Geoffroy l'enchère. Le top price historique des ventes d'Osarus est déjà battu. Et là, je peux vous garantir, ce n'est pas un rachat. L'enchère est là à droite, le marteau se lève, pas de regret. Niche est présenté par Laura de Montaigu. 155 000 euros, c'est vu, Geoffroy. Pour l'instant, Jean-Claude Rouget tient le bon bout. 155 000 euros, pas de regret. 160, voulez-vous? 160? 155? On est à 155, on est d'accord. Je vous laisse réfléchir. À 155 000. Dernier appel, dernière fois. Oui, 160. 160 000. 160. Nicolas de Vatrigon a mis 160. À 160 000. Pédigré exceptionnel ici à 160 000 euros. Est-ce que Jean-Claude Rouget veut réagir? À 160 000 euros, que fait-on? Voulez-vous 165? Là, on est dans des perspectives dont on n'avait pas l'habitude à la test. À 160 000 euros, que fait-on? 165, dit Jean-Claude Rouget. Des perspectives, mais avec des personnages qu'on connaît par cœur. Un homme de Pau, un homme de Mont-de-Marsan, des stars locales. À 165 000, pas de regret. 170 000. À 170 000 euros, toujours par vous. Nicolas de Vatrigan n'a pas hésité à 170 000. 000 euros, toujours là, l'enchère. Il a réagi. Et là, à 170 000 euros, par vous, l'enchère. 170 000. Mais on va quand même attendre. À 170 000 euros, pas de regret. On met 15 à si vous 170 voulez. 000 euros. 170 000 euros, pas de regret nulle part. À 170. Dernier appel, 15. Geoffroy, je vous laisse faire. À 170 000 euros. Voulez-vous 175? Oui. 170 000 euros. Le record historique d'Osarus est ici. Pulvérisé. Non, merci c'est de fini. Votre aide. À 170 000 euros, le marteau se lève. Dernière fois, dernier appel à 170 000. C'est sûr, pas de regret. On la juge. 170 000. Et c'est fait! Geoffroy. Comme on dit, c'est fait pour papa. Bravo. Bravo Frédéric Rossi. Bravo Nicolas de Vatrigan.